Bonjour à tous. Nous voici partis pour une belle séance de dessin. La première étape pour cette réalisation est de dessiner le contour d'une lettre, ici un T. On s'inspire d'une forme de goutte qui a des épaisseurs différentes à plusieurs endroits. Il faut également travailler la hauteur de la lettre. Ne pas faire une lettre trop petite qui a une hauteur à peu près de 10 cm. Exemple, en dessinant une lettre A, je vais réfléchir à la forme de la lettre qui respecte cette différence de volume entre des zones plus fines et des zones plus rondes, plus épaisses. Même la traverse de la lettre A doit avoir une forme modelée en fonction d'une goutte, avec des zones plus épaisses et des zones plus fines. En réalisant votre tracé, faites attention à ce que celui-ci soit tout en rondeur et en douceur. C'est la caractéristique d'une goutte d'eau. Il faudra travailler les contours et accentuer le bas de votre lettre. Là où elle coule, la goutte est plus en épaisseur et sur le dessus, des contours moins réguliers et plus fins, moins soutenus. Ensuite, nous allons positionner quelques reflets sur la diagonale de la lettre A. Ces reflets sont très allongés comparativement à la partie inférieure de la lettre où les reflets seront beaucoup plus importants. On positionne ces reflets à plusieurs endroits. Un reflet important là d'où vient la lumière. Des reflets plus doux et plus fins sur la partie opposée. On peut observer que les contours et les reflets s'intensifient en bas de la lettre. Ceci permet de créer l'effet de volume de la lettre goutte. Il est important de savoir d'où vient la lumière, les reflets étant positionnés en fonction de celle-ci. Par exemple, sur cette goutte, la lumière vient du côté supérieur droit et on a des reflets
à droite, en haut, mais également en bas, avec une ombre portée au pied de la goutte. Vous pouvez observer que là où il y a des reflets intenses, les contours sont très foncés. Par contre, sur certains contours de la goutte, les reflets sont très légers et le contour semble presque disparaître. Sur cet exemple, des contours très foncés et un reflet très léger et très fin sur le pourtour de la goutte pour accentuer l'effet de volume. Comme sur l'exemple précédent, on peut voir ici qu'à certains endroits, le contour semble disparaître. Ceci permet d'appréhender l'épaisseur plus ou moins fine de la goutte. Je vais donc reporter les observations que j'ai faites sur mes modèles sur ma lettre goutte. Ici, je trace un reflet très fin qui permettra d'accentuer l'effet de volume. Je le laisserai en blanc et ultérieurement, je le coloriserai dans un gris très léger. J'accentue les contours pour créer un contraste très fort. Maintenant, je vais positionner l'ombre portée en fonction de la source lumineuse. Je modèle cette ombre en fonction de la forme et de l'épaisseur de la goutte. Ensuite, on peut procéder à la colorisation de l'intérieur de la lettre en prenant garde de réaliser un dégradé d'un gris très sombre vers un gris très léger. Vous pouvez vous exercer sur le haut de votre feuille à réaliser un dégradé de gris. Pour obtenir un noir très dense, j'appuie fortement sur mon crayon et je repasse à plusieurs reprises.
Pour estomper mon dégradé, je vais utiliser un coton-tige et je vais aller du foncé au plus clair. Ensuite, je vais coloriser l'ombre portée qui comportera également un dégradé. Et je vais coloriser le fond en faisant de larges hachures.